ves que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je suis restée parce que je ne veux pas qu'Isabella s'en sorte avec ça. C'est pour ça que je suis restée. Parce que si je pars de cette maison, elle va se rapprocher de Raphaël peu à peu, parce que je la connais. Et alors là, oui, là je perdrai Raphaël. Votre société a de graves problèmes. Avec votre comportement, vous allez perdre le certificat d'industrie propre et le permis pour jeter une partie des déchets dans la rivière. Cet imbécile de Germain n'a pas obtenu de rendez-vous avant 3 semaines avec Vargas Luna. C'est un membre du gouvernement. Vargas Luna? Je suis sûr que c'est le père d'un ami de l'université. Alors appelle-le. Obtiens-moi un rendez-vous aujourd'hui si possible. Ouais, je vais essayer. J'ai confiance en toi. Ne me déçois pas. Sinon, ce sera la fin de la société. Hé, hey, papa. Écoute, la nouvelle de la fermeture de l'usine s'est propagée. Je vais recevoir un appel de Tsubaki. J'ai une bonne nouvelle. J'ai eu mon ami, José. Je le vois demain à Mexico. Il va parler à son père pour qu'il te voie rapidement. Voilà. Oui. Ça, c'est mon fils. Merci beaucoup. Oui, papa. Je savais que tu n'allais pas me laisser tomber. Je te ferai savoir comment ça se passe. Je vais lui apporter le plan pour réaliser tout ce que le gouvernement réclame. Parce que oui, papa, cette fois, tout ira bien. Ouais. Oui, oui, je ferai tout ce que tu veux, d'accord. Tant mieux. Rigoberto, je pensais que les gens ne kidnappaient plus leurs fiancés aujourd'hui. Dans ce cas, oui. Oui. Je dois le faire. Le problème, c'est sa famille. Mon beau-père m'accepte, mais ma belle-mère, non. Ta belle-mère arrêtera de te rejeter quand elle verra combien tu as été payé pour le travail aujourd'hui. Elle ne le fera plus. Non. Non, pour elle, c'est pas suffisant. Ma copine, c'est pareil, mais... Et elle-même. Écoute, seulement assure-toi de ne pas lui donner tout ton argent ou ton amour. Tu sais, le travail de ce soir nous rendra très riches, hein? Ouais. Tu connais le ranch Corcuera? Ouais, bien sûr. J'ai emmené du bétail là-bas. Prépare-toi. Ce soir, on va le voler. Santé. Mon amour, je sais que c'est pas facile, hein, mais... Tu veux parler de... Non, de quoi tu aurais besoin? Ma chérie, je te suis très reconnaissant de ta réaction concernant le problème avec le bébé. Ce n'est plus un bébé, Raphaël. Pas juste un bébé. C'est ton enfant. Il est innocent. Ce n'est pas sa faute à lui. Écoute, je sais que tu vas être un super papa. Mais en fait, Raphaël, j'aurais adoré que ton premier enfant soit le nôtre. Je veux dire que ce soit notre enfant. Mon amour, je pensais que tu n'étais pas prête. Pas prête? Mais quand tu voudras, on pourra essayer. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition qui aura un enfant en premier. Ce n'est pas une compétition, je sais, je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as dit devant tout le monde, cet amour va au-delà de tout, mon amour. Hein? Et je le pensais, je te jure que oui. Alors? Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une illusion. Ne dis pas ça, je t'en prie. Ne me touche pas, Raphaël, ne me touche pas.
ne pense même pas à me toucher. Non! Fais attention, Erasmo. Dis bonjour de ma part à tes parents et à ta famille, hein? Je le ferai, patron. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Oui. Tu as dit à Myriam que tu vas avoir un enfant avec Rosalina? Je le ferai un peu plus tard. Comment ça se fait que Pachita ne te laisse pas voir Marie? Tu lui as parlé de ton frère? C'est pour autre chose qu'elle me rejette. Mm-hmm. J'ai refusé de dépecer Roberto et de le faire cuire. Tu imagines? Dépouiller? Qui c'est ce Roberto? Un lapin que m'a prêté David. Ah, Pachita est comme ta mère, mais multipliée par 10. Il ne lui manque qu'un éventail. Elle en est pas loin. Elle a un éventail pour le four et quand elle le tient dans sa main, elle a plus de force. Non. Tu le crois? Hein? Quelle un belle ventilateur. Vente aujourd'hui. Sans César, je n'aurais pas réussi seule. Ah. Ah, il a la main douce, très douce. Quand il cuisine, ça me plaît. Ah oui, et d'abord tu louais sa langue, maintenant ses mains et ensuite... Écoute, il fait des choses avec la longtemps. Patron? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a, Erasmo? Tu as décidé de passer la nuit ici? Non, j'ai rencontré quelqu'un sur le chemin. Que fais-tu ici, Marie? Comme ma grand-mère ne me laisse pas voir Pierrot, je me suis échappée pour pouvoir vivre avec lui. Tu sais parfaitement que je ne l'ai pas fait exprès et ça s'est passé avant qu'on soit ensemble. Je sais. Mais quand bien même, je me demande, Raphaël, si tout ça a un sens, si notre relation a un sens. Il y avait déjà des choses entre nous. Tellement de choses qui nous séparaient, et maintenant ça en plus. On s'aime, hein? Toi-même, tu l'as dit devant tout le monde. Tu ne crois pas que c'est une bonne raison pour continuer notre mariage? Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Non, ce n'est pas suffisant. J'y ai beaucoup pensé. Raphaël, je vais me sentir très mal à chaque fois que je te verrai avec ton bébé dans les bras. Ou quand les heureux parents seront avec leur bébé pour le baptiser, ou à chaque anniversaire, ou quand tu l'emmèneras au parc. Arrête, je serai présent dans l'existence de cet enfant. Ça ne veut pas dire non plus que je veux être avec Isabella, non? C'est très clair, en théorie. En théorie, c'est très bien. Le problème, c'est que, Raphaël, est-ce que quand je le vivrai, je pourrais le supporter? Parce que je crois que non. Marie, tu devrais retourner chez toi. Tu sais que je ferai tout pour venir te voir. Tu ne me veux pas ici? Mais je n'ai pas d'autre endroit où aller. Non, bien sûr que tu peux rester ici. Chérie, emmène-la dans une des chambres. On parlera demain dans le calme. Merci. On doit raccompagner Marie chez elle. Pierrot est trop jeune pour s'occuper d'elle, voyons. C'est la décision de Pierrot. Et s'il veut passer sa vie avec Marie, on doit le soutenir. Après tout, une femme de plus dans la maison, ça ne fera pas de différence, non? Oui. Pourquoi tu en mets toujours ça sur le tapis? Crois-moi, ce n'est pas si facile de gérer tout ça. En plus, parce que je sais que je te fais du mal. Et même si tu décides de ne pas continuer avec moi, je ne me marierai pas avec Isabella. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, je toi, t'aime Fernanda. Aussi, Raphaël. Et donc... Moi aussi, je t'aime. Mais imagine-toi. Imagine, est-ce que cet amour que tu ressens pour moi serait suffisamment grand si j'étais enceinte de César? Non, arrête, oui, écoute. Ne prends pas cet imbécile comme exemple, Et pourquoi pas? Je t'en prie. Maintenant, tu me comprends. Tu me comprends. Écoute-moi. Et je n'ai pas à te donner d'explication, Raphaël. De toute façon, je n'arrêterai pas de t'aimer. Même si tu attendais un enfant d'un autre homme, tu m'entends? Hein? Et moi non plus, je n'ai pas arrêté de t'aimer. Je t'aime beaucoup. Mais j'ai pris ma décision, Raphaël. Et je te le demande. Je te demande de la respecter. Elle me paraît plutôt extrême, ta décision. Extrême? Elle te paraît extrême? Raphaël, on vient de se marier et toi tu attends un enfant de ton ex-copine. Ça oui, c'est extrême. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas me toucher.
Je sais que tu ne dors pas. Non. Tu es certaine de vouloir rester? Ce serait bien de s'éloigner de tout ça, mon amour. Fuir ces problèmes ne résout rien, Raphaël. Désolée, mais je ne peux pas venir. Bien. J'espère que quand je reviendrai, tu te rendras compte que ça vaut la peine de se battre pour notre mariage. Marie est partie de la maison. Elle m'a laissé ce papier. Mais, madame, vous savez que je sais à peine lire. Permettez-moi. Grand-mère, je m'en vais avec mon Pierrot parce que je l'aime et je ne vais pas l'abandonner pour un lapin. Pierrot a tout fait pour moi et tu ne vas pas arrêter de t'immiscer dans notre amour. Je pars avec lui, Marie. J'aurais préféré mille fois qu'il la kidnappe sur un cheval ou sur une bicyclette. Mais au lieu de ça, Marie s'offre à lui. Oh, ça non, ce n'est pas juste, madame. Pachita, ne vous préoccupez pas de ça. La réputation de Marie ne sera pas ternie car elle est partie avec son copain. Et c'est le sujet. Ce n'est pas son copain. Oui, mais pas par faute de volonté. Parce qu'on a tous vu que Pierrot a fait tout ce que vous vouliez pour qu'il puisse la voir. Laetitia a raison, Pachita. Vous avez tiré sur les rênes de Pierrot comme sur un cheval. Rigoberto, et il n'en pouvait plus. Je t'en prie, aie un peu plus de tact. Il n'y a pas de place pour du tact, Laetitia, c'est la vérité. Pierrot est un homme sympathique, intelligent. Mais vous, vous le repoussiez toute la journée. C'est la vérité. Et alors, Marie s'est enfuie par ma faute. Calmez-vous, calmez-vous, Pachita. Je vais vous aider à arranger les choses. Hmm? Madame. Pierrot. Mon Pierrot. T'es beau quand tu te réveilles, mon Pierrot. Je me réveille mieux quand je dors dans ma chambre. Mais c'est de ma faute parce que je voulais rester avec toi. Tu ne m'aurais pas laissé seule. Bien sûr que non. J'aime être près de toi, Marie. Maintenant, on sera toujours ensemble parce que la prochaine chose à faire, c'est se marier. Quoi? Comment ça, se marier? On a passé la nuit ensemble. Il faut commencer notre famille. Tu l'as dit à Myriam? Bonjour à toi aussi. Bonjour. Hier soir, j'allais lui dire, mais il y avait la copine de Pierrot. Elle est venue. C'était compliqué, tu sais, comme d'habitude, parce que Pierrot... Je savais que tu allais le repousser. Mais pas pour longtemps. Je ne peux pas lui mentir jusqu'à la naissance du bébé. Et je ne suis pas assez idiote pour t'attendre, Louis. Je rencontrerai peut-être un autre homme qui reconnaîtra mon bébé. Ah non, non, ça non. C'est mon enfant et personne d'autre ne doit s'occuper de lui, juste moi. Alors agis comme un bon père et parle à Myriam. En fait, si elle ne t'aime pas comme tu l'as dit, le savoir ne la dérangera pas, non? Bonjour. Bonjour Laetitia, comment ça va? On n'a pas pu se parler hier, mais je voulais savoir comment tu te sentais au sujet du bébé. Eh bien, comment dire, comme je l'ai dit hier... Tu nous as donné une grande leçon de bon sens et d'amour à tous. Mais je suis sûre que tout ça te fait mal. Ce n'est pas la première fois que je dois gérer une douleur aussi grande que celle-là. Oui, mais cette fois, tu n'es pas seule. Tu nous as, nous tous. Et j'espère que ça ne changera pas le bonheur que tu as avec mon fils. Laetitia, comme l'a dit Raphaël, je crois qu'on verra... Comment cette situation évolue jour après jour, parce que... Mais merci beaucoup de me soutenir. Je ne veux pas t'ennuyer, mais Pachita est très préoccupée. Cette nuit, Marie est partie pour aller chez Pierrot, et je crois que tu peux nous aider. Bien sûr. Je vais aller chez Louis et je vais la ramener.
Je te remercie beaucoup. C'est que Marie est comme ma famille. Oui, je le sais. Dis à Pachita qu'elle ne s'inquiète pas. Dis-lui que Pierrot est comme un frère. C'est un jeune homme très bien. Je vous ai appelé parce qu'hier soir, 300 bêtes ont été volées au ranch Corcuera. Mais on me l'a dit, c'est Tiburcio. Il travaille au ranch La Bonita. Oui. On les a volées il n'y a pas longtemps. Et on a même tiré sur un homme. Rigoberto, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Eh bien, je crois Approche-toi. Est-ce que tu as entendu parler d'une vente clandestine de bétail ou quelqu'un t'en a parlé? Non, on ne m'a rien dit, patron. Garde tes oreilles ouvertes, parce que les vendeurs de bétail travaillent avec des gens qui sont de l'intérieur et savent très bien comment ça marche. Non, patron. Nous, on a des gardes. On a des caméras vidéo, des systèmes électrifiés. Et écoutez, s'ils viennent nous voler, ils auront une surprise. Oui, c'est sûr, patron. Non, ils seraient vraiment bêtes s'ils s'attaquaient à vous. Ah. En tout cas, vous serez en charge de tout vérifier. J'ai confiance en vous. Marie veut se marier avec moi. Plus que jamais, j'ai besoin d'un bon conseil, maman. Eh bien, tu n'as pas dit que tu voulais avoir Marie près de toi tous les jours, que tu l'aimes tellement? Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas prêt pour le mariage. En plus, je commence ma carrière de photographe et je vis encore dans ta maison. Ce n'est pas important, chérie. Tu ne seras pas le premier millénial qui vit chez ses parents jusqu'à leurs 30 ans et quelques. Je parle sérieusement, maman. Je te demande un bon conseil, quelque chose de pratique, vraiment. Si tu ne veux pas te marier avec elle, dis-lui avec honnêteté ce que tu penses et ce que tu ressens. J'ai peur qu'elle se vexe avec autant de sincérité. Comment tu fais pour être toujours aussi calme? Parce que je fais une chose à la fois, chérie. Tu crois que je n'ai pas eu peur quand on a cru que ton papa avait coulé dans la rivière? Maman, tu as dit à tout le monde de ne pleurer que lorsqu'on trouverait son corps. Alors, il ne faut pas que tu te fasses du souci avant qu'il y ait des problèmes. De toute façon, quand ça arrivera, tu trouveras une solution. Bidou. Tu m'avais promis que tout ça serait en règle et que tu arrêterais de polluer, Octavio. Il s'est passé exactement le contraire. Écoute, Tsubaki, je vais tout expliquer. Mon employé de confiance m'a planté un couteau dans le dos. Il m'a volé de l'argent. J'allais engager plus de camions-containers. Tu as commis quelque chose de plus grave qu'une fraude. Tu as déprécié ton entreprise et cela affecte Méga Super. Ils vont bientôt publier que mes supermarchés vendent la viande que tu produis. Ce que disent les médias, c'est une exagération. J'ai vu d'autres articles qui vont sortir et qui donnent notre point de vue. Avec ça, tu ne vas pas décontaminer la rivière. Aie confiance en moi, je vais y arriver. Mais pour le moment... Pour le moment, c'est terminé notre association. Non, tu ne peux pas faire ça. On a signé un contrat tous les deux. Je le sais. Oh oui, je le sais. Et selon la loi, j'ai le droit de le rompre si les termes ne sont pas respectés. La viande va être livrée. Non, n'insiste pas. Tu es tellement en infraction avec la clause qui dit que tu travailles en accord avec la loi, comme livrer la marchandise à temps. Alors, s'il te plaît, je t'en prie, hein. Maintenant, on peut dire que c'est terminé. Tsubaki, tu vas le regretter. Sans doute. Je vais t'envoyer mes avocats pour qu'ils se chargent de finaliser tout ça. C'est bien clair? C'est très clair. Patron, voilà les papiers que vous m'avez demandés pour le chalet. Oublie ça. Tsubaki vient de partir. Il va prendre la route pour rentrer à Mexico. Suis-le discrètement. Oui, très bien, mais pourquoi? Quand tu seras proche de la ville, assure-toi qu'il ait un accident et qu'il ne s'en sorte pas vivant.